Les bontés de l'Éternel sont grandes, bien-aimés. C'est par sa bonté que nous sommes comptés parmi les vivants. Ça, nous ne devrions pas s'en passer, ou bien que nous ne pouvons pas nier cela. Parce que l'Éternel, par sa bonté, c'est cette bonté qui est en train de se manifester. Cette bonté est manifeste. Si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est la grâce de Dieu. À cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que chaque soir avant de dormir, la journée de lundi, la journée de mardi, la journée de vendredi et samedi, avant de dormir, nous avons un moment auquel que nous devrons écouter, s'asseoir pour écouter la parole de Dieu, d'être autour du pied de l'Éternel, au pied de l'Éternel, pour écouter sa parole. Donc, bien-aimé, à cela, je t'invite à te préparer pour prendre place. À ces quelques minutes, tu es en train de te préparer pour au moins 2 à 3 minutes, ou bien que dans 1 minute, là où tu prends place, pour que nous puissions commencer ce temps de prière. Cela, je crois que nous sommes déjà au point ou bien que nous avons pris place. Et commençons ce temps de prière par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Je vous invite à la prière. Éternel, notre divin Père, toi, Yahvé, notre Dieu qui ne cesse pas à se manifester dans notre vie pour nous donner, Yahvé, notre Dieu, une véritable et avec notre Dieu vit, c'est-à-dire nous démontrer le chemin auquel que nous devons suivre. Yahvé, nous te remercions. Parce que nombreux n'ont pas eu, Yahvé, cette possibilité d'être ce soir à tes pieds pour écouter ta parole. Mais pour nous, tu nous as convoqués. Pour cette servante, ou bien que ce serviteur, tu l'appelais non pas en vain, parce que tu connais combien de fois, Yahvé, tu veux réunir ton peuple tout autour de toi pour écouter ta divine parole, afin que les exigences que nous avons dans ce monde, Yahvé, notre Dieu, nous puissions avoir de la délivrance ou bien que la hauteur que le monde, Yahvé notre Dieu, ne nous envahisse pas, mais le contraire, nous puissions envahir le monde, c'est-à-dire dans le sens de peupler le royaume de Dieu et dépeupler, Yahvé notre Dieu, le royaume du diable. C'est la mission que tu nous as donnée. À cela, daigne-nous pardonner. À cela, Yahvé notre Dieu, daigne-nous purifier par le sang de ton Fils Jésus, afin que nous soyons plus blancs que la neige. Et la gouvernance de ce temps est à toi. Nous ne voulons pas écouter l'homme, mais nous voulons écouter l'homme par excellence. Et toi, l'Éternel des armées, qui dois parler à ce peuple, qui doit parler avant notre Dieu à la maman, qui doit parler avant notre Dieu aux jeunes, qui doit parler au Père qui est là. Seigneur, daigne parler plutôt à la composante, Seigneur, cette composante de ce peuple qui est venu s'asseoir à tes pieds ce soir. Par ton nom, Christ, notre divin Père, nous avons ainsi élevé cette prière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons que le Seigneur est bon tel que je l'avais déjà annoncé. Et donc, nous profitons dans ces assises, ou bien que ce rassemblement que l'Éternel a permis que nous tous, nous puissions nous rassembler tout autour de sa parole pour écouter sa divine parole. Je vous souhaite une cordiale bienvenue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
que tu sois toi qui es à l'étranger, que tu sois ceux qui sont ici au Congo-Brazzaville, au Congo démocratique, ceux qui sont dans d'autres horizons de l'Afrique, que tu sois au Cameroun, à l'exemple des étudiants qui sont en train de nous suivre tous les jours, au Cameroun qui sont accros, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue, sans compter ceux qui sont en train de nous suivre de partout, qui sont accros. Dès le jour que nous avons commencé, débuté ces moments cultuels du soir, ils sont toujours accros pour écouter la divine parole de Dieu. À cela, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue, que tu sois aux États-Unis d'Amérique, que tu sois en Asie, en Océanie, en Australie, en Europe. Nous le répétons, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous a convoqués. Il sait le pourquoi, que tu ne sois pas triste, mais le contraire, tu dois te retrouver et sentir la joie des enfants de Dieu. Venez dans la paix du Seigneur, que lui-même le Seigneur puisse nous communiquer cette paix. Et nous allons inviter la technique de nous proposer un cantique d'adoration et de la louange. Que dijo te amo tan y ni vengo a que tú te dan
Merci la technique pour ce moment de louange et de l'adoration. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, vous inviter à ouvrir vos Bibles pour lire la parole de Dieu qui nous est proposée. Une parole qui est tirée du premier livre de la Bible. Donc nous sommes dans Genèse. Genèse en son chapitre 26. Nous allons commencer la lecture du verset 1er jusqu'au verset 11. Dans les 11 premiers versets du livre de Genèse en son chapitre 26. Genèse 26, 1 à 11. Genèse 26, 1 à 11. Je pense que, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la page. Genèse en son chapitre 26, le verset 1 jusqu'au verset 11. Lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y eut une famine dans le pays. En plus de la première famine dans l'époque d'Abraham. Et Isaac se rendit vers Abimélec, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je tendrai ta descendance. Je rendrai plutôt ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Isaac resta donc à Guérar. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Ils avaient peur, en effet, qu'il ne le tue s'il disait ma femme. Parce que Rebecca était belle, comme son séjour se prolongea, Abimélec, le roi des Philistins, regardant un jour par la fenêtre et vit Isaac plaisanter avec sa femme Rebecca. Abimélec fit appeler Isaac et dit, c'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai dit cela pour ne pas mourir à cause d'elle. Abimélec dit, qu'est-ce que tu nous as fait pour un peu? Quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimélec fit ce décret pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme, à sa femme, sera mis à mort. Sera mis à mort. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Il disait, c'est ma sœur. Il disait, c'est ma sœur. Bien-aimé dans le Seigneur, qui disait, c'est ma sœur. Nous allons faire la découverte dans ce texte qui disait c'est ma sœur. Et donc, le thème que nous avons aujourd'hui, c'est un thème qui démontre l'attitude de démission, l'attitude d'une personne qui est en train de démissionner, c'est-à-dire
l'attitude de démission. Et donc, qui est en train de présenter cette attitude, bien-aimé, nous allons le découvrir. Mais avant tout cela, nous devrons connaître, nous devons le reconnaître dans ce monde. Nombreux sont en train de présenter également cette attitude de démission. Nombreux également sont en train de céder, de reculer face à une pression donnée quelque part, face à la mort, à une situation tellement dangereuse. L'homme voit la mort, l'homme pense à la mort, et donc dans cette attitude de la peur, dans l'attitude de la peur, la crainte de mourir, et il est contraint de démissionner, il est en train de présenter cette attitude de démission. Nombreux également, tels que je l'ai dit, dans le monde, bien-aimés, les hommes et les femmes sont en train de se comporter ainsi. Mais ici, bien-aimés, dans le Seigneur, nous devrons reconnaître quelque chose. Il y avait de la famine. On nous dit de la famine. Il avait de la famine. La famine avait attaqué. La famine avait attaqué la zone. C'était l'époque d'Abraham et l'époque d'Isaac. Et donc, il fallait que de là où ils étaient, qu'ils puissent se déplacer. Mais l'Éternel va dire à Isaac, l'époque d'Abraham et d'Isaac. Donc, nous savons, Abraham, après avoir donné naissance donc à Isaac, Isaac, le fils attendu, le fils de la promesse, de là où il était, la famine avait, il y avait l'époque, là on nous dit l'époque de la famine, il y avait de la famine, une grande crise. Et l'Éternel dit à Isaac de ne pas descendre en Égypte, mais de rester également dans le pays des Philistins, là où il y avait comme roi Abimelech. Il doit résister à Guérar, le pays, le lieu des Philistins. C'est dans ce lieu que l'Éternel va dire à Isaac, je te bénirai et ta descendance sera bénie. Également d'autres nations seront bénies à travers de ta descendance. Bien-aimé dans le Seigneur, une promesse que l'Éternel a donnée à Isaac. Et donc Isaac ne pouvait plus descendre en Égypte. Il était là, il était contraint à rester là, à Guérar, à Abimelech, le lieu des Philistins. Mais quand il était là, il avait la peur. Il était peureux, il avait la peur. Il se disait tellement que Rebecca, sa femme, était belle de figure. Et donc les gens de Guérar le demandaient à Isaac, qui est-elle? Et donc, Isaac répondait que c'était sa sœur. Au lieu de dire que sa femme, Isaac avait dit que c'était sa sœur, parce que quand lui, il se disait, s'il le disait que sa femme, il risque de périr. Et donc, à la place de dire sa femme, il avait dit sa sœur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Isaac qui présente l'attitude de la démission, de ne pas accepter de... C'est-à-dire, quand il dit aux gens de Guérar, quand il dit à ces gens-là, à ces personnes, à cette population, à ceux qui le demandaient, que ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur, c'est l'attitude d'abandon. C'était comme s'il livrait déjà, lui en tant que mari, il livrait déjà Rebecca à ces hommes-là. Il livrait, mais en lui, il n'avait pas cette sensation de repudier bien que de lâcher sa femme, mais par peur de la mort. Nombreux également, bien-aimés, quand la situation se présente dans une situation dangereuse de la mort, il est contraint de céder, il est contraint de lâcher, il est contraint de démissionner. Comme ici, c'était comme si Isaac avait démissionné, mais en lui, il ne pouvait pas, c'est-à-dire démissionner. Cette sensation était là, mais face à la mort, face à cette peur de la mort, et donc il avait prononcé, c'est-à-dire face à la mort, c'est comme l'attitude de Pierre. Pierre, quand il avait vu Jésus tabassé, quand les femmes le demandaient, toi également tu étais avec cet homme-là, on te reconnaît, tu étais avec cet homme. Pierre avait refusé. Refusé pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'on puisse le tabasser. Il avait peur qu'on puisse le tuer. Nombreux également, bien-aimés, nombreux ont cette attitude-là. Nombreux sont en train de présenter cette attitude-là. On livre même leurs femmes à la famille, aux autres, pour dire que mais si je continuais, cette famille est tellement mystique, risque que je puisse périr, risque de puisse mourir. Mais nous oublions dans le mariage, bien que dans le foyer, il est déclaré seul que la mort va nous séparer.
Et donc, que ce soit dans le pire, que ce soit dans le bon moment, que ce soit dans le pire, nous devrons être ensemble. Mais nombreux, face au pire, ne supportent pas. Face au pire, face à une situation dangereuse, ils ne supportent pas. Donc, ils cèdent. Là, c'était comme si Isaac voulait céder. Isaac voulait céder. Il avait, parce qu'il avait prononcé cela. Et à la suite, l'Éternel, pour confondre l'idée d'Isaac, il avait permis que Abimelech puisse découvrir ce secret-là. Il voit Isaac en train de parler. Là, on nous dit, Abimelech fit appeler avant, dans le verset 8, comme ses jours se prolongeaient, Abimelech, le roi des Philistins, regardant un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme Rebecca. Et Abimelech fit appel à Isaac et dit, c'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Et donc, c'est l'Éternel qui avait voulu que le secret soit connu. Quand Abimelech a vu cela, Abimelech s'est dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Et il suffisait que quelqu'un puisse proposer ta femme, aller avec ta femme, et à la suite, tu devrais nous accuser. Et à la suite, regarde cette confusion que l'Éternel va faire à Isaac pour lui dire que ce que tu pensais, ce que tu imaginais, ce n'était pas ça. Et le roi donne l'ordre pour dire, celui qui touchera à cet homme, que ce soit sa femme, il périra, c'est-à-dire, il va mourir. Qu'est-ce que le verset 11 va nous dire? Alors, Abimelech fit ce décret pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou sa femme sera mis à mort. Sera mis à mort en touchant cet homme, en touchant sa femme, sera mis à mort. Voilà combien de fois l'Éternel avait confondu l'idée d'Isaac, bien-aimé. Là, Isaac, l'Éternel lui avait dit de rester dans ce lieu. L'Éternel, quand il dit reste, il savait parce que en Isaac doit sortir une descendance. Mais quand l'Éternel te donne l'ordre, ou bien que la promesse, il donne également la protection, il protège. C'était comme si lui, il ne croyait pas à cette promesse. Parce que l'Éternel, c'est l'Éternel qui lui avait dit de rester là, de ne pas aller en Égypte. Et donc, l'Éternel ne pouvait pas permettre qu'il puisse mourir parce qu'il attendait la promesse. C'est l'Éternel devait passer par lui pour que la promesse soit réalisée, pour qu'une grande descendance puisse sortir de lui. Et donc l'Éternel ne devrait pas laisser qu'il puisse perdre sa vie. Mais dans tout cela, face à la chair bien-aimée, nous savons que ce que la chair est, face à la chair, face à cette peur que la chair manifestait, il était en train de donner une position de démission, mais dans son cœur ce n'était pas ainsi. Nombreuses de ces femmes également sont en train de démissionner parce que quelque part il y a une pression qu'on est en train de faire, et donc en elle, elle se dit, je dois démissionner, je dois repudier, je dois quitter ce foyer, parce qu'en quelque part il y a une pression, parce qu'en quelque part il a peur, et donc elle se dit, si je continue, il risque de périr, parce qu'un tel est mort par cette situation. Un tel est mort par cette... Et donc, je ne peux pas perdre ma vie. Mais bien-aimé, dans le foyer, l'unité, bien-aimé, nous devrons aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Nul n'est besoin de démissionner parce qu'il y a une situation grave. Nul n'est besoin de démissionner parce que tu as vu l'autre, c'est-à-dire dans une position de faiblesse, et toi, tu démissionnes. Là, bien-aimé, dans le Seigneur, Isaac voulait démissionner. Isaac voulait lâcher. Mais dans son cœur, ce n'était pas ainsi. Et même face à la mort, je ne sais pas si on se comprend, face à cette peur de la mort, il avait prononcé pour dire, il avait dit que c'est ma sœur. C'est ma sœur, ce n'est pas ma femme. Parce qu'il y avait des gens qui demandaient, les gens qui venaient, la population, les gens de Guérard, qui lui demandaient, mais celle-là, c'est qui? Au lieu de dire que c'est ma femme, il répétait, il disait que c'est ma sœur, bien-aimée dans le Seigneur.
tu as une promesse que l'Éternel a faite dans ta vie. Et donc, si cette promesse ne peut pas se réaliser, ne se réalise pas jusqu'à présent, l'Éternel ne peut pas te laisser que tu puisses partir sans que ces promesses-là puissent se réaliser. Également à Isaac, l'Éternel ne pouvait pas laisser Isaac mourir. Et en entendant qu'il y avait une promesse, la promesse que nous connaissons, cette promesse, en lui doit sortir une grande nation, et en lui, les nations seront bénies. Et donc, l'Éternel devrait réaliser, parce qu'il lui avait dit cela en amont, mais face à la mort, et cet homme, Isaac, avait oublié cela. Cet homme, Isaac, face à la mort, voilà combien de fois qu'il va aller répudier, dire que ce n'est pas ma sœur, ce n'est pas ma femme, mais c'est ma sœur. Bien-aimé, que la peur ne te domine pas. Que la peur ne nous domine pas. Nous devrons éviter, mais redonnons tout entre les mains du Seigneur. Même si en quelque part il y a pression, même si à quelque part il y a une situation de mort, l'Éternel connaît ce qu'il a mis en toi. L'Éternel connaît ce qu'il attend de toi. L'Éternel connaît ce qu'il est en train de faire de toi. Et donc, je ne sais pas, à la suite ici, même nous savons que la Bible nous dit mot à ce sujet, quand Abimelech avait donné l'ordre. Et donc, entre Isaac et sa femme Rebecca, comment il s'est senti? Comment Isaac s'est senti devant sa femme? Quand on avait donné l'ordre, à la suite de connaître que c'était sa femme, lui, il pensait qu'on va le tuer. Lui, il pensait qu'il risque qu'on puisse le tuer. Mais l'Éternel avait prouvé notre face. Et comment il se présentait devant sa femme? C'était comme si c'était moi, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, ça va toujours te donner en tant qu'homme. Tu auras toujours de la honte. Tu as démissionné. Tu as dit que c'est ma soeur. Au jour où, parce qu'il y avait la mort, même si qu'il y avait entente quelque part, mais il ne fallait pas dire cela. C'est l'Éternel qui voulait le corriger de ne pas démissionner. Ne prends pas l'attitude de démission, bien-aimé. Parce qu'il y a une situation qui dérange votre foyer. Parce qu'il y a une situation qui dérange votre marge. Et donc, s'il te plaît, ne prends pas l'attitude de démissionner. Seul que la mort va vous séparer. Et donc, ne soyons pas également des démissionnaires à l'attitude de Pierre. Ne prenons pas l'image de Pierre devant le Christ. Et ce jour-là, Pierre avait renié que René n'était pas ensemble avec lui, je ne le connais pas, il avait renié. Ne soyons pas de tels chrétiens bien-aimés, mais nous devons aller jusqu'au bout. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur continue à nous donner de la force, ou bien que du courage de tenir face à des situations graves, de tenir tête au nom de l'Éternel. Sache que tu as des promesses, l'Éternel tu avais promis, et il finira à réaliser ses promesses, et donc il ne peut pas te lâcher.
Bien-aimés dans le Seigneur, face à cette parole que nous venons d'écouter, je vous invite à la prière. Éternel notre Père, tel que tu avais vu la crise, tu savais que le temps était difficile, mais Seigneur, tu avais protégé, Seigneur, ton fils Isaac, avec ceux qui étaient avec lui, pour le demander d'aller s'abriter, de rester à Guérar, de rester dans le lieu auquel que tu l'as indiqué. Seigneur, nous savons, nombreux dans ce monde, que nous sommes en train de passer les périodes de crise, les périodes de turbulence. Mais Seigneur, c'est toi qui nous places. Éternel, toi qui protèges tes enfants. Toi qui protèges parce que tu sais, elle a une promesse. Il a une promesse, il y avait notre Dieu, qu'il est en train d'attendre. Tel que, Seigneur, tu savais, en lui, tu devrais accomplir, c'est-à-dire en Isaac, tu devrais accomplir cette promesse à l'homme d'Abraham. Seigneur, c'est pour cela que tu avais ramené ton fils à Guérar pour s'échapper à cette grande crise à l'époque. Éternel des armées, et donc continue à nous protéger, à protéger ce dernier qui est à l'attente de tes promesses, qui est à l'attente, Yahvé notre Dieu. Nous savons que tu as un programme également que tu vas, Yahvé notre Dieu, accomplir à travers ce dernier. À la suite de cela, Seigneur, laisse que tu donnes le courage à ce dernier pour qu'il ne puisse pas prendre l'attitude démissionnaire, de démissionner, de quitter, et avant notre Dieu, d'avoir cette attitude de la peur, quand la peur et avant notre Dieu nous envahissent. En quelque part, on peut dire ce qu'on ne devrait pas faire, ce qu'on ne devrait pas dire. C'est ce qui était arrivé, Éternel, à Isaac. À Isaac, face et avant notre Dieu à la peur qu'il avait dans une autre nation auquel qui se retrouvait, et face à sa femme et aux autres, il avait prononcé que c'était ma sœur. Mais au fond, Seigneur, tu sais, ce n'était pas dans son désir, mais parce qu'il y avait une situation grave, une situation qu'il craignait, Seigneur, mais dans le courage de ce dernier, qui voulait démissionner, qui voulait se retirer, Seigneur, parce qu'il y a pression quelque part, parce qu'il y a un problème qu'il est en train de craindre. Mais Seigneur, si c'est dans la vérité telle que tu nous avais enseigné hier, éternel, donne le courage pour ce dernier de ne pas livrer sa femme, de ne pas livrer ses enfants, de ne pas livrer, Yahvé notre Dieu, ceux qui sont dans son toit, parce que nombreux, Seigneur, ont livré les autres face à la peur, face à la mort. Éternel des armées, mais donne-nous le courage d'aller jusqu'au bout. Oh, bénis ce dernier, bénis, Yahvé notre Dieu, à la suite de bénir, à la suite de conduire, à la suite de donner le courage. Nous te remettons sa situation sanitaire. Tu connais, Seigneur, sanitairement, là où ça ne tient pas, mais toi qui guéris, le Dieu qui nous écoute, le Dieu qui oriente, Éternel, continue à guérir, Seigneur, ce dernier, par ton nom Christ, notre divin Père, quel que soit le problème de là où il se trouve, quelle que soit la situation, Éternel, c'est toi qui es le modèle à suivre. Jésus, notre divin Sauveur, c'est toi, Éternel, la solution à tous nos problèmes, et donc nous nous donnons à toi. Sois béni, Seigneur, de ce que tu feras. Nous sommes convaincus que tu feras. Par ton nom Christ, notre divin Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et donc, nous allons vers la fin de ce moment de prière. Nous allons également nous retrouver la journée de vendredi et samedi. Et donc, demain, mercredi, et jeudi, comme le disons toujours, vous n'aurez pas l'audio de 22h, mais la journée de vendredi et samedi, vous aurez la possibilité qu'on puisse vous envoyer l'audio du soir. Vraiment passer un bon moment avec le Seigneur et de surcroît, continuons dans notre allure de prière avant de dormir, tel que le Seigneur l'a voulu, tel que nous le connaissons. Écoutons les paroles de bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, maintenant et éternellement. Amen.